Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac à main. C'est un motif qui n'est pas du tout compliqué, bien au contraire, il est même assez rapide à faire et à enregistrer en tête. Ça rentre très vite. Donc on voit ici ce que ça donne exactement. J'ai mis également deux poignées de ce genre-là que j'adore. Je trouve ça super joli. Enfin, j'aime bien les poignées un petit peu différentes. Avec le petit fait main. Et pour cette vidéo-là, il y a un petit plus. Parce qu'ici, vous voyez, il y a une doublure. Doublure faite par une couturière. Cette doublure a été faite par la chaîne La Petite Sève, à qui j'ai demandé si elle pouvait simplement vous faire une vidéo. Comme je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être comme moi, vraiment pas doués en couture, alors que chaque fois, j'aurais bien aimé doubler mes sacs, je demandais si elle pouvait vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire vraiment une doublure sans avoir besoin d'avoir des compétences monstrueuses en couture. Donc ça, c'est le petit plus. C'est la chaîne, c'est La Petite Sève. Je vais vous mettre le lien par ici. Donc le lien direct de sa chaîne est pour faire la doublure. En plus, avec cette vidéo-là de la chaîne La Petite Sève, comme de base, j'utilise pratiquement tout le temps les mêmes supports pour mes sacs. Ça veut dire qu'avec la vidéo sur laquelle vous allez cliquer et aller regarder, vous pourrez l'adapter pour tous les autres sacs du moment où ça part un peu sur la même base. C'est quelque chose de très simple à faire, quelque chose où il n'y a pas besoin d'avoir énormément de compétences. Alors, rien que pour ça, je remercie La Petite Sève. Donc là, je vous mets le lien. N'hésitez surtout pas à aller regarder, jeter un œil. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué, même moi j'ai compris. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne. Alors avant de démarrer le tuto, je vais vous donner les mesures de mon sac. Alors le mien mesure exactement de haut, parce que j'ai pas pris les mesures, 23 cm de hauteur sur 33 de largeur. J'ai eu besoin, désolée, pour ces dimensions-là, comme je vous disais, j'ai eu besoin de... Donc là, j'ai plus l'étiquette parce que je l'ai retirée. C'est la boutique Loupation, c'est du Magic Bag. Il me reste tout ça de la pelote, donc je pense que je vais encore faire autre chose qui est logique avec, je ne vais pas jeter. Donc j'ai eu besoin d'une seule pelote de Magic Bag. J'ai eu besoin également, parce que comme je vous ai dit, j'adore ce genre de poignée, de deux poignées carrées. J'ai également pris un petit petite étiquette fait main et un fond de sac. Tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, autant pour le fond de sac, pour le Magic Bag, donc le fil, pour les poignées que pour le fait main, vous trouvez le tout, ce qui est super, dans la même boutique. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher à droite ou à gauche. Donc ça, vous trouverez le tout dans la boutique Loupation. Comme je vous ai dit également, pour la doublure, qui est superbe, ça donne vraiment un effet totalement différent au sac à main, c'est la chaîne La Petite Sève qui l'a réalisée. Pour vous montrer comment faire sans avoir d'énormes compétences en couture. Donc, pour ça, je vous mettrai le lien par là, le lien dans la description de ma vidéo. Vous cliquez simplement sur le petit lien ou dans la description, vous trouverez le lien de la vidéo. Vous allez tomber sur La Petite Sève qui va vous montrer comment faire la doublure, que vous pourrez ensuite adapter à tous les autres sacs ou ceux que j'ai déjà fait ou ceux que je vais venir à faire, qui partent sur la même base. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire en sorte que votre sac soit vraiment bien plus costaud et plus solide. Or, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens. Donc, le lien direct pour la boutique, le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche, le lien direct également pour les crochets, le lien direct pour la chaîne La Petite Sève. N'oubliez surtout pas de vous abonner à sa chaîne, ça en vaut vraiment la peine. Même moi, je suis abonnée parce que j'arrive à comprendre ce qu'elle dit, donc c'est parfait. Donc, voilà ce qu'on va faire. Alors ici, j'ai pris mon fil et mon fond de sac avec le crochet le plus petit. Je vais simplement, on va faire passer ici notre fil à l'intérieur. Et je vais faire, pour être sûr que ça va bien tenir, hop, un ou deux petits nœuds. Alors maintenant pour tout ce tour, on rentre, on ramène, on va faire une première maille serrée, même espace, on rentre, on ramène,
C'est juste pas évident pour vous montrer parce qu'il faut que je dois faire attention. Et on fait une deuxième maille serrée. On va directement dans l'espace suivant où on va également faire deux mailles serrées dans la même. En même temps, je coince ce fil. Ce sera plus simple. Alors, ce que je vous disais, dans chaque petit trou, on va simplement faire deux mailles serrées dans chaque petit trou que nous avons. Un. Ça se fait très vite quand on filme pas. Donc là, simplement deux mailles serrées dans chaque espace. Là. Vous avez compris que c'est beaucoup plus simple à faire quand on n'est pas obligé de filmer. Donc simplement deux mailles serrées dans chaque espace ici que nous avons sur tout le tour de votre fond de sac. Alors quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, ici j'ai fermé avec une maille coulée dans la première maille serrée. Si vous décidez de le faire plus grand ou plus petit en fonction des mesures que vous avez, si vous n'avez pas le même fond de sac que moi, à ce stade vous avez besoin d'un nombre de mailles serrées, un multiple de 4. Donc la table de multiplication de 4. Pour les 2-3 prochains tours, je vais simplement faire maille serrée sur maille serrée. Ça veut dire qu'après avoir fait ma maille coulée, je fais une maille en l'air. Je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. On va tout simplement faire 2-3 tours. En maille serrée sur maille serrée. Moi, je verrai en fonction de la hauteur que ça me donne. Donc, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, on va simplement terminer tous nos tours avec une maille serrée, pardon, une maille coulée dans la première maille serrée de départ, comme ceci. Là, comme je vous ai dit, je vais faire encore certainement un deuxième tour en maille serrée. Donc à chaque fois, une maille en l'air. On revient dans le même espace où on a fait la maille en l'air et on fait une maille serrée. Maille serrée suivante, une maille serrée. Alors pour ce deuxième tour en maille serrée, vous pouvez en faire plus, 3-4, ou en faire juste un, c'est vraiment à vous de voir. Moi je vais faire le deuxième et puis je vais voir si j'en fais pas un troisième après. Donc là vous allez tout simplement faire un nombre de tours que vous désirez tout simplement en maille serrée, qu'on puisse ensuite commencer le motif à répétition. Alors ici au total, j'ai simplement fait 2 tours en maille serrée. Maintenant on va faire une, 2, 3, un jeté. Donc on va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride, on va dans la suivante, on fait une troisième bride, dans la suivante, on fait une quatrième bride. Donc ici, à ce stade, on a 4 brides avec les 3 mailles en l'air. On va entrer ici dans la maille où on a fait nos 3 mailles en l'air. Donc ici, avec notre crochet, je vais vous montrer. Donc ici, on a la maille pour la dernière bride, la maille de la troisième, la maille de la deuxième et la maille des 3 mailles en l'air. Donc on va simplement rentrer dans la maille de la première bride que nous avons faite. Je vais essayer de bien vous montrer si c'est possible, là, comme ça. On ramène notre fil. Et on tire un petit peu dessus. Il ne faut pas que ce soit trop serré.
pour que ce soit plus simple, je tire encore un peu dessus. Je vais faire un jeté. Je vais dans la maille suivante et je refais une bride. Comme ça, ça coince le fil. Donc là, on a fait la première des quatre. Donc on a fait une. On va dans la suivante, on fait la deux. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Là. Donc, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4. On revient dans la première des 4, dans la maille de la première des 4. On rentre, on va chercher le fil, on le ramène devant. Là, on tire bien dessus, pas que ce soit trop serré. Pour pouvoir continuer, on fait un jeté, on va dans la suivante, on fait la première des 4. Là. Là, on voit déjà un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on a fait la première des 4, on continue, on fait la deuxième. La 3. Et la 4. De nouveau, donc on va compter dans l'autre sens. 1, 2, 3. On va entrer ici dans la maille de la toute première. On rentre donc dans la maille où on a fait notre toute première. On ramène notre fil. Oups. De nouveau un jeté, on va dans la prochaine pour faire la première du nouveau groupe. Il n'est vraiment pas compliqué à faire, la chose qui est le plus compliqué, si on peut dire ça comme ça, c'est peut-être le premier tour. Ensuite, ça va, c'est le procédé est pratiquement le même. Donc on a fait la première, on va dans la suivante, on va faire la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. De nouveau, on va entrer dans la maille de la toute première des 4. On voit ici 1, 2, 3. On rentre dans la maille de la toute première des 4. On ramène notre fil. On fait un jeté. Donc déjà, on tire un petit peu dessus. Un jeté, on va dans la prochaine, on fait la première des 4. Donc on a fait la première, on va devant, on fait la 2. Devant, on fait la 3. Et devant, la 4. Donc, à nouveau, on va rentrer dans la première des 4. Donc, on fait 1, 2, 3, la 4. Donc, on rentre dans la maille. On ramène notre fil à l'avant. On donne un petit peu, on tire un petit peu dessus. Un jeté. On va dans la prochaine. On commence la première bride du nouveau groupe de 4. Donc, 1. Deux. Et 4. À nouveau, on va dans la première des 4. Donc 1, 2, 3, on va dans la maille, la première des 4. Et on ramène notre fil. On tire un peu dessus pour que ce soit plus simple. Un jeté et on fait la première du nouveau groupe de 4. Donc une. Je vous montre encore une fois ou deux, mais vous avez vu que là, le plus... Il n'y a rien de compliqué en fait. Donc une. Deux. Trois.
4, rentre dans la première des 4. Donc dans la maille, on a fait notre première bride, on ramène le fil devant. On tire un petit peu dessus, on refait un jeté. Dans la maille suivante, on fait la première du nouveau groupe. Donc une. Deux. Trois. Quatre. On revient donc dans la première, dans la maille de la première bride du groupe des 4. Tire un peu dessus, un jeté. On recommence dans la prochaine, la première des 4. Donc une. Deux. Trois. Quatre. Donc, on revient dans la première des 4, dans la maille 4, et on ramène notre fil. Un jeté et on reprend. Là, vous voyez déjà le résultat que ça vous donne. C'est quelque chose d'assez simple, mais avec ce petit plus, ça change quand même pas mal. Je vais vous laisser terminer le premier tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors ici, je vous montre, j'ai fait donc mes 4 dernières brides. J'ai déjà pris mon fil. Pour terminer, on va compter ici 1, 2. On va dans la troisième maille. Et on va terminer avec une maille coulée. Je vais essayer de vous montrer ce que ça vous donne sur tout le tour. C'est vraiment quelque chose de très joli. Donc ça, on a terminé le premier tour. Or, pour le deuxième tour, qui va être en fait la répétition de celui qu'on vient de terminer, chaque nouveau tour, on va le commencer avec les 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 3. Un jeté. Donc on a la première. On va dans la suivante. On fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. Donc là, on va faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. On va revenir dans la maille de la première bride. La première bride, ce sont les 3 mailles en l'air qui se trouvent ici. On va entrer dans la maille qui correspond. On ramène. Ramène. On tire un peu, pas que ce soit trop coincé. Un jeté. Et là, on reprend la première bride du nouveau groupe. On coince le tout. Donc, une. Dans la suivante, on fait la 2. Dans la suivante, on fait la 3. Dans la suivante, on fait la 4. On revient dans donc 1, 2, 3, dans la maille de la première des 4, on ramène un jeté et on reprend. Donc ici c'est la première du nouveau groupe, 1, 2, 3. 4. À nouveau, on vient dans la maille de la première des 4. On ramène notre fil et on reprend. Donc une. Deux. Trois.
des quatre. On vient dans la maille de la première des quatre, on rentre, on ramène, on tire bien dessus, un jeté, on reprend de nouveau. Donc une, deux, trois, quatre. On voit maintenant là un petit peu mieux ce que le résultat que ça nous donne. Donc on a fait les quatre, on vient dans la maille de la première des quatre. On ramène un jeté, on reprend une, deux, trois, quatre. On rentre dans la maille de la première bride des quatre, on ramène notre fil et on recommence un groupe des quatre. Une, deux, trois, quatre. On revient dans la première des quatre. On ramène notre fil. Et on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc je vous laisse tout simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Alors ici, j'ai refait un tour exactement de la même façon. Là, j'ai pris donc mon fil à la première des quatre pour terminer. Vous allez dans tous les cas terminer exactement de la même façon parce que je vais vous montrer une toute dernière fois comment procéder. Donc pour terminer, on va compter 1, 2, on rentre dans la troisième maille. Et on va fermer avec la maille coulée pour terminer notre tour. Pour entamer chaque nouveau tour, on va faire les trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc là, on va en faire trois de plus. Donc on a de nouveau le groupe de 4 brides. On va à nouveau revenir dans la première des 4. On ramène notre fil à l'avant. On tire un petit peu, pas que ce soit trop serré. On fait un jeté. On va dans la prochaine, on fait la première des 4. En prenant bien les fils pour tout coincer. Donc on a une, 2, 3, 4 à nouveau. On revient de nouveau, donc on a 1, 2, 3, on revient dans la première des 4. Donc dans la maille de la première des 4. Et là on recommence. Donc là c'est la première du nouveau groupe, donc 1. 2, 3, 4. On revient dans la première des 4, donc dans la maille de la première des 4. On ramène notre fil, on refait un jeté et on recommence. Donc on fait la première du groupe des 4 en prenant bien tous nos fils pour coincer. Donc une,
2, 3, 4. On revient à la première des 4. Et on reprend. Là, on recommence. Vous avez compris que c'est vraiment un point qui est déjà, pour commencer, très très joli, très sympa à faire, et très très répétitif. On va faire que répéter ce même tour en permanence, ce qui nous donne ces superbes effets pour le sac. Donc à partir de maintenant, vous allez faire le tour exactement de la même façon, terminer de la façon dont je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, reprendre de la même façon, et ça vous allez le faire sur la hauteur totale de votre sac. Enfin, pas forcément totale, puisqu'ensuite on va faire un ou deux tours pour terminer en maille serrée. Mais donc là, vous le faites sur la hauteur que vous désirez. Là, je suis sur mon troisième tour. Je vais certainement faire entre 10 et 15, je ne sais pas, je vais voir un peu près ce que je veux obtenir. Donc à partir de maintenant, vous faites que répéter ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez. Alors moi ici, je vous montre, j'ai fait au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tours à l'identique. Pour les prochains tours maintenant, vous pouvez donc faire plus de tours, faire moins de tours, c'est vraiment vous qui allez adapter en fonction de votre sac. On va simplement, donc comme je vous disais, on va simplement, je vais essayer de bien vous montrer, faire 2, 3 ou 4 tours à vous de voir, simplement en maille serrée. Donc là, je vais faire ma maille en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais ma première maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. On va donc faire le nombre de tours que vous désirez. Moi, je vais voir également en fonction des poignées que je vais ensuite coudre. Je vais faire peut-être 3 à 4 tours, je ne sais pas encore, simplement en maille serrée. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va terminer avec la maille coulée dans la première maille serrée, refaire une maille en l'air et recommencer maille serrée sur maille serrée. Et ça, donc, ce nombre, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Je termine les tours que je vais faire, donc j'ai encore aucune idée. Je vais voir en fonction aussi des poignées que je vais coudre. Et on se retrouve après. Alors ici, je vous montre. Moi, au total, j'ai fait 3 tours en maille serrée. Donc après avoir fait mes trois tours en maille serrée, j'adore ce genre de poignées, comme les rondes que je vous ai déjà montrées. Donc j'ai cousu mes poignées sur mon sac et sur la partie des mailles serrées. Ensuite, tout ce qui est en tout cas pour les sacs à main, depuis que j'ai cette petite étiquette fait main, j'ai fait ma petite couture également pour mettre cette petite plaque, que je trouve juste super jolie. Ça fait un petit peu plus au sac. Alors maintenant, pour la suite, parce que je sais, vu les nombreux messages que je reçois par rapport à ça, vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir doubler votre sac à main, mais à être comme moi, du genre pas très 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 douée. Parce que moi, du moment où je fais des coutures pour un sac à main, ça ressemble à tout, sauf à ce que ça devrait ressembler. Donc pour ça, par là, je vais vous mettre un petit lien. Le lien de la chaîne La Petite Sève, une chaîne de couture. Si vous ne voyez pas le lien par ici, ce n'est pas grave, vous allez dans la description de la vidéo. Et dans la description de la vidéo, vous aurez donc le lien direct pour la chaîne La Petite Sève, où justement, la personne va vous montrer comment, en partant donc de ce sac-là, avec la même base, comment faire une doublure en tissu à l'intérieur. Donc maintenant pour la suite, je vous conseille d'aller sur le petit lien. Donc là, je vous montre, après que la petite sève ait fait la doublure en couture, vous n'avez qu'à aller sur le lien, vous allez voir, c'est vraiment adapté à tout le monde. Donc vous pouvez doubler tous vos sacs à main, surtout que moi, de base, j'utilise pratiquement tout le temps la même forme pour mes sacs, donc vous pouvez adapter après tout simplement sur la même base, en plus haut, en plus court, c'est à vous de voir.
Donc ça vous donne vraiment quelque chose de super joli, de vraiment qui va durer très longtemps. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.